mer est tellement calme. Rien que l'horizon. Profites-en. Ça alors? Elle a amassé un véritable trésor là-dedans. Des livres assez rares. Ah oui, c'est celui d'Arnaud. Dire que je l'ai entendu ronfler même en pleine tempête. Elle a dû voyager beaucoup pour réunir tous ces objets. Et elle va sûrement les revendre illégalement. Moussaillon, encore à ton poste? Quelque chose à signaler? Une île, peut-être? Pas encore. Mais c'est si beau! Les couleurs changent tout le temps. Et j'ai vu des gros poissons. Peut-être même un dauphin. Fantastique. Alors, il a survécu aux flammes. Oui, il en faudra plus que ça. Il a survécu à l'Espagne, la Bourgogne, même la Guyenne. Mais de justesse cette fois. C'est là qu'il s'est cassé? Oui. La seule fois où il n'a pas su protéger. Toi? Non. Quelqu'un qui portait le même blason que moi. Oh. Je vois. C'est un souvenir encore douloureux. Certains souvenirs ne se laissent jamais oublier, petite. Je comprends ce que tu veux dire. Hé, hey, vous deux! La voile penche à bâbord. J'ai besoin d'aide. Va tirer sur la corde de l'autre côté. Je vais donner du mou sur la mienne. Oui, compris. Je m'en charge. J'adore faire ça. C'est bon de mon côté. Arnaud? Moi aussi. Beau travail. Salut. Cela doit être exaltant de piloter un navire. Ça me fait oublier tous mes problèmes. Vas-y, essaie. Oh, Allez, tu risques pas de nous faire couler. Alors? C'est incroyable. Tu ressens la mer, la liberté. Merci. De nous aider. Remercie Arnaud. C'est pas dans mes habitudes. Oh. C'est un enfoiré, je sais. Il est comme ça parce qu'il en a bavé. Ça n'excuse rien, mais... Amicia! Amicia! Oh, le devoir m'appelle. Désolée. Pas de problème. Merci. Amicia, viens! Là-bas, je vois quelque chose. Qu'il y a là-bas. On le trouvera ensemble. Comme de vrais explorateurs. Oui. Tu sais, c'est pas très grave si je meurs. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le magistère Vaudin, il a dit que j'allais mourir. Seigneur, non, Hugo, je suis désolée. Ça n'arrivera pas. Sois pas triste. Je suis content d'être ici. Je m'amuse sur ce bateau et... j'aime bien Sophia.
Et Arnaud, même si toi tu l'aimes pas. Pardon. Je voulais juste vous dire qu'on n'allait pas tarder à accoster. J'aurais besoin d'aide. Alors, venez me voir quand vous pourrez. Oui, bien sûr. Je suis contente d'être là avec toi. Qu'elle a donné à Hugo a bien fonctionné. J'espère qu'il se sent mieux. Collier, bague. Une dame plutôt élégante, cette Sophia. Cette odeur de l'encens, ça sent tellement bon. Quel beau lit. Notre capitaine a bon goût. Des animaux. Ils viennent peut-être d'Afrique. On dirait qu'Hugo a joué avec. J'espère qu'il a rien cassé. On ne voit plus le continent. Mère, Lucas, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Allez, tout le monde, par ici. À mon tour. Moi, je reste. J'ai deux ou trois choses à faire ici. Je vous rejoindrai. Bien. On va faire un tour avant la nuit. Et trouver où dormir. Bonne idée. Et au fait, ici, vous êtes sur les terres du comte. Sois gentille. D'accord ? D'accord. Lacuna, voici pour toi, mon enfant. C'est un grand honneur de t'accueillir. Merci. Eh bien, nous avons un nouveau roi. Hugo le Juste. En effet, pendant les jours ardents, tous les enfants sont rois. Exactement comme l'enfant des braises qui veille sur notre île adorée. Ta présence est une bénédiction parce que tu es notre avenir, tout comme lui. Car il nous délivrera tous de l'emprise des ténèbres. Bon séjour. Profitez bien des festivités. Merci. Au revoir. Bon, ça commence plutôt bien, non? Je me demande ce que l'Église pense de tout ça. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Prie pour que nous aussi. Allez, venez, Votre Majesté. Dans mon rêve, Amicia. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est très beau, ouais. Mais maintenant, il faut trouver ce qui t'a appelé sur cette île. Bienvenue. Le marché est au bout de la rue. Il vaut le détour. Allons-y, vite. Oui. Hé, une minute. J'ai entendu à propos de son rêve et... je voudrais vous aider, mais il faudrait me dire ce que vous cherchez. D'accord. Alors, c'est... c'est un peu étrange, mais... eh ben... vas-y, Hugo. Oui. Dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage. Et j'étais malade.
et j'avais peur. Mais un grand oiseau est arrivé et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'aube qui m'a guéri. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. Bien. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. De parfums. Amicia, est-ce qu'on peut parler aux gens de mon rêve? Tu ne devrais pas leur dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens, on ne sait jamais. D'accord. Alors je vais demander. Oui, frère! Tout droit venu du jardin de notre mère! Bonjour, monsieur. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres? Je suis pas d'ici, vous savez. Je suis juste là pour le marché. Vous avez peut-être un oiseau? Eh bien, merci, monsieur. Je vous en prie. T'es aussi subtil que t'es grand. Hein, quoi? Allons voir le reste. Venez voir mes fleurs! Parfaites pour les festivités! Des beaux tissus magnifiques, apportés lors des jours radieux. Huile d'olive, herbes, tout ce qu'il vous faut à votre table. Bonjour. Bonjour, vous. Connaîtriez-vous une plage où on pourrait trouver des oiseaux exceptionnels? On est sur une île, alors. Les oiseaux, c'est surtout des mouettes. Pas vraiment un oiseau dont on rêve, je dirais. C'est les saletés de voleuses, je vous le dis. C'est pas une mouette. Allons-y! Hé! Hey. Merci, monsieur. Que votre jour soit radieux. Le vôtre aussi. Il sait rien du tout. Au moins, il connaît les mouettes. Sois patient, Hugo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Besoin d'épices? Peut-être plus tard. On nous a parlé d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve? Aucune idée. Mais durant les jours radieux, il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île? Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien. Pas d'étang. Des oiseaux, peut-être? Oui! Oh. On ne peut pas passer? Oh, ça fait des heures! Soyez patient. La voie doit rester libre pour le moment. Ils apportent des marchandises sur la grande place. J'ai hâte de voir le reste. Moi aussi. Ils se surpassent chaque année. Alors, ça continue par là? Le village s'étend jusque là-haut. On va devoir tout explorer, alors. Vous avez encore besoin de fleurs pour la fête? Alors, n'hésitez pas. Bon gant. Bon, essayons de nous renseigner ici. Deux pour le prix d'un. Bravo pour les décorations, tout le monde. Si vous voulez toujours aider, on a besoin d'un coup de main pour la fête de ce soir. Bonjour à vous. Bonjour. Nous venons d'arriver et nous avons entendu parler d'une plage qui serait proche d'un étang. C'est très précis. Quelqu'un connaît? Désolé, ça ne me dit rien. Moi non plus. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Pourquoi ils savent pas? Les rêves sont les contes de l'âme, demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander.
Les danseurs et les musiciens sont en place. Les festivités vont commencer. Approchez. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Oh, Amicia, on peut y aller aussi. Ouais, bonne idée. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Jeu d'adresse! Venez mesurer votre adresse! Oh, un jeu! Allons jeter un œil. C'est gratuit! Tentez d'attirer la faveur de l'enfant des braises! Bien le bonjour. On peut jouer? Bien sûr, c'est simple. Lancez un pot dans chaque couronne. C'est fini quand vous n'avez plus de pot. Ne faites jamais deux jets dans la même couronne, compris? Bien, voyons comment je m'en sors. Tu vas gagner! Le contraire me décevrait beaucoup. Chut, j'essaie de me concentrer. Je suis si fier de toi. Arnaud. Ah, bon début. Oh, bon sang. Oh, c'est pas bon. Oui. Continue. Détruis-moi ces couronnes. Eh bien. 50 000. Pas mal. Oh, très impressionnant. Merci. Mais pas bien non plus. Tu as bien visé. L'écoute pas. Bon, allons voir le reste. J'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si déprimant. Des chants! Ils sont là. Ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre. Ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi! C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. Au fait, qui est cet enfant des braises? Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? C'est un dieu. Un dieu païen. Et pacifique. Oui. Des danseurs! Amicia, des danseurs! Oui, je les vois. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé. Oh, on sait jamais. J'aimerais bien te voir danser. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer, alors. La marche de la dévotion a commencé. La procession arrive. Amicia, vite! Béni soit l'enfant des braises. Béni soit l'air. Bonjour. Ah, bonjour. On arrive juste à temps. Waouh. Dis, est-ce que tu voudrais les bénir avec des fleurs? Je leur en jette, c'est ça? Exactement. Tu fais comme ça? Béni soit l'enfant. Oh, ne vous inquiétez pas, ça venait du fond du cœur. Maintenant, ils sont bénis pour de nombreuses années. T'es un petit sauvage, gamin. Venez, suivons le défilé. Bien sûr. Allons semer la pagaille autre part. J'aime bien bénir les gens. Je me demande bien pourquoi. Ils sont par là. Vite, vite. Calme-toi, on va les rattraper. Béni soit la mer! La mer va prendre la parole! Béni soit la mer! Oh, un attroupement. Qu'est-ce qui se passe?
Où est-elle? Elle devrait déjà être là. Désolé, sire. Très bien. Oui. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ces jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ces terres sacrées... C'est lui. Viens. ...du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Non, attendez. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que c'est le comte, Amicia. On avait un marché. Appelle tes rats. Attends, quoi? C'était ça, ton marché? Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante, il y a un prix à payer. Non! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud! On est venu ici pour lui. Tu ne cacheras pas tout! Mais merde, j'ai pas besoin de vous! Non! Arnaud! Je le savais. J'aurai ta peau cette fois! Je me charge de lui! Attrapez la fille! Non! Non! C'est pas notre problème! Cours! Attrapez-les! La fille! Non! Cours! Mais Arnaud! Qu'il aille au diable! Hey, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Vite! Non! Hé! Hey, où? Par ici! On doit se fier à personne, Hugo. Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours. Pourquoi? On y retourne. C'est trop tard. Non. Parfois, les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On sauve ton rêve. Il faut qu'on y retourne, discrètement, si possible. Et si Arnaud est mort, ou s'il a tué le comte? On improvisera, souviens-toi. On est doué pour ça. Oui, sacrément. Bien y avoir quelque chose. Cette porte doit donner directement sur la place. T'inquiète pas, je sais. Hugo ? Là ! Viens, mets ton chariot en place. Vas-y.
ensemble. En fait, pourquoi Arnaud s'en est pris au compte? Il a dit que c'était de la faute du comte si son bouclier est cassé. Allez, monte. Monte. Oui. Bien. Fais attention. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Par commettre une erreur. Compte là-dessus. Apporte-moi l'arc-en-ciel. Tue. Allez, trouble-les. Pour Ariane Moineau. Va vite. Monte tout en haut. Perdez le temps.
eu chaud, mais on a réussi. Il était méchant, cet oiseau. Où est cet imbécile, Tarnon? Écoute, des bruits d'épée. Oui, oui, vite. Tuer comme j'ai tué. Qu'est-ce qu'on fait? Non! Sale traîtresse! Tu es le seul fautif! C'est ça son armée? Une fille et un gamin? Non, non, attendez! Victor, arrêtez! Émilie. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Vous êtes sûr? Enfin... Oui, Émilie a raison. Vous l'avez bien mérité. Suivez-nous. Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Oui, et tu es chez toi. C'est incroyable. Venez, entrez donc. Waouh! C'est grand! N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Oh, voulez-vous quelques dattes avant de rejoindre votre chambre? Des dattes? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de la Kuna ne fait plus qu'un. Unis autour de l'enfant des princes. Alors? J'adore! Un bon vivant! Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyenne. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable! Je sais, j'ai hâte de voir notre chambre. Agnès, préparez une chambre pour deux, je vous prie. Tout de suite, mère. C'est sa maman? Non, c'est symbolique. Et voici nos jardins, mon endroit préféré. Splendide. Oh, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui, ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Et nous avons besoin de bonnes terres, d'amour et d'attention.
Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera, n'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer, dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Ô bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Amicia, sur la pierre, c'est l'oiseau. Attends. Accepteriez-vous de prier avec moi, à votre manière, si vous voulez? Bien sûr. Hugo? Je vais prier l'oiseau. Une humble flamme pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever un soleil, un fils, si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci. Ça me touche. Pouvons-nous continuer? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père? Hugo? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui, je le sens. Son bec est pareil et... je le sais, c'est tout. Bien, très bien. Retournons les voir et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui, les nouvelles robes sont splendides. Ce sera... parfait. Excusez-moi. Oh, êtes-vous prêt? Oui. Ma foi, nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Entrez. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia. Chut. Oh, il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud? Hugo! Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès, si tu le souhaites. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer Lacuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gentes dames. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Oui. Ces vêtements sont si agréables. Oh, oui. Hé, viens ici, petite marmotte. Oh. Allons, c'est juste le soleil. Regarde, c'est magnifique. Waouh, c'est... c'est... comme un rêve? Oui, on se croirait dans mon rêve. Allez, on mange un morceau et on y va. Tu viens? Wouhou! Comme
comme c'est beau ici. Amicia, on va jouer. Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivé de cette île, non? Si. Allons-y. Quel temps idéal pour partir en exploration. Oui! Des explorateurs d'îles! Trouvons d'abord la sortie. Regarde-moi ça. C'est si grand. Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui, je reste à l'affreux. À l'affût. On dit rester à l'affût. Oh, c'est moins bien. C'est... oui, c'est moins bien. Cet endroit est réservé au personnel de maison. Désolé. Personnel de maison? C'est comme nos serviteurs. Cet endroit... c'est vraiment quelque chose. C'est tellement grand. On s'y perdrait. Je pourrais m'y faire. Tu serais une comtesse. Oh non. Trop de responsabilités. Bonne journée à vous. Bonjour. Merci. Il va faire très chaud aujourd'hui. Mais comment? J'imagine même pas devoir porter ce casque. C'est la sortie par là? Ouais, j'imagine. Demandons à ce garde. Ouais, j'en ai entendu parler. Prude. Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Bien dormi? Sophia, bonjour. Content de te voir. Comment as-tu su? Où vous trouvez? C'est l'histoire de ma vie, trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Bien. Marchons un peu. Oui. Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller? Pas encore, non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore en prison. Un oiseau! Tu as raison. C'est... celui que t'as vu en rêve? Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Donc, un rêve et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Avant même qu'on vienne ici. Et il y avait toujours un oiseau! D'accord, pourquoi pas. Là! Il regardait un autre oiseau! Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tout est si différent de la Guyenne. Même les odeurs. Oui, ça sent... chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça, en tout cas. Je veux bien le croire. Le repas est prêt! Merci! Juste encore quelques tuiles! Ah!
La réponse est peut-être là. Ou il y aura un autre oiseau. Allons jeter un œil. Tu vas aller à l'hôtel de la fertilité ? Avec ma femme, oui. Bonjour. Cette année sera peut-être la bonne pour nous. Oui. Je vous le souhaite. Vous méritez d'être béni par l'enfant. C'est une tente qu'il regarde ? Pas sûr qu'un oiseau vieux de plusieurs siècles s'intéresse à une tente. Et si on allait voir, tout simplement ? Oui. Prêt ? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Que sa flamme ravivée illumine notre chemin. Bonjour. Bonjour. Nous sommes juste en train d'admirer cette sculpture. Ah, ne faites pas attention à moi. Je vois pas où est le prochain. Elle doit être cachée derrière cette petite colline. En avant ! Ah, ces jeunes. À chasser les cailloux plutôt que l'or. Ça est très beau, mais l'Église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie ? T'as raison. Il faut être compte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence. Encore un ! Dis donc, elle est grande, cette famille d'oiseaux. Allons trouver le prochain ! Imagine si ça conduit à un vrai nid. Non, c'est quelque chose d'important. Forcément. J'en suis sûre ! La chasse aux oiseaux reprend. Pas trop fatigué, Hugo ? Non, ça va. On a beaucoup marché. Cette île est vraiment grande. Un oiseau ! J'ai l'impression qu'ils nous ont conduits en spirale. Et on s'approche du centre. Dites-moi qu'on y est. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois des colonnes. C'est si beau. Sacrée trouvaille. Une sorte de théâtre antique. Oui, ça a l'air important. Voyons voir ça. Là, l'oiseau. Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus, tous ces herbes. On va devoir les couper. Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. L'oiseau nous a montré la voie. C'est l'île. C'est une carte de Lacuna. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Amicia, c'est le dessin. Quel dessin ? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre ?
Un ordre d'alchimiste, lui aussi très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sophia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici ? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants... Celui-là... Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents! On les appelle Las Madres. Les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents! Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Alors allons-y. Oui! On va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. On monte. Oh. Regarde, il y a une maison dans les dents. Ouais. Une sorte de temple. Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Donc, on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimistes, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est... particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin ? Je suis pas un bambin ! C'est dans son sang. Ce mal remonte à... la nuit des temps. C'est injuste, mais... c'est réel, Sophia. En Guyane, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On n'a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. C'est là! Le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire ici? Non. Allons-y. Ça promet d'être long. Le premier! Pas si vite, après je vais devoir te porter. Roussard ! Tiens le coup, ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçue, on est loin d'être arrivé. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bon sang, ce qu'il fait chaud. Regardez, on est presque au sanctuaire. Tu sais ce que ça veut dire, presque? Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Qu'est-ce que vous espérez trouver là-haut? Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Je préférerais un élixir. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. Oh, de l'eau de source.
Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Il s'endort aussi en une seconde. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, hey, Hugo. Ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Ah attaque d'eau. Hé hey. Contre-attaque. Pour les deux runes, Hugo. D'accord, d'accord. Pour je me rends. Les deux runes. Je suis trempée comme une soupe. Victoire. Une navigatrice vaincue par l'eau. Il m'a mis de l'eau dans les yeux, d'accord? Tu l'as fait exprès. Ça, c'est mon frère. Eh ben, quelle famille. Bien joué, Hugo. J'aurai ma revanche. Est immense. Oui, imagine sculpter tout ça. Oh, des chèvres. Il y en a plein, Amicia. N'aie pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres. Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Une cérémonie? Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Et au passage, si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Bonne chance alors. J'espère qu'elle nous attaquera pas. Oh allez, c'est une chèvre, pas un loup. Mais elle crie. Oh, ça oui. Ils ont fermé l'accès au sanctuaire. Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui, mais j'ai encore plus envie de savoir maintenant. Écoutez, c'est la chèvre du monsieur? Tramontane, oui. Elle est là! On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixée dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. Fermé. On devrait pas l'aider? C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée? C'est une vraie mission de sauvetage. J'espère qu'elle est gentille. Elle sera forcément reconnaissante. Ah, ça passe. Si elle est bonne, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu as deux femmes fortes pour te protéger. Hmm.
un trou dans le mur. Il est trop drôle. Pas tout le temps, mais... souvent, oui. Ah, vite, vite! Tu as réussi. Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Tu l'as sauvée, Hugo. Tu veux lui dire bonjour? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois, c'est facile. Elle ne crie pas toujours. Oui. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va? Oui. Rentre vite. Ton papa t'attend. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie. Pourtant, il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve. Non, mais il y en aura peut-être maintenant. Qui ne voudrait pas rêver de chèvre? Merci pour vos offrandes. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Assurez-vous que tout se passe bien. Oui. Allez, monte. On a eu assez de violence hier. L'enfant devait être très mécontent. Monte. Redoublerons de vigilance. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Il fallait s'y attendre. Oh. On fait quoi des dernières offrandes? Elle reste ici pour le moment. Attention. Il faudra là-haut après la cérémonie. On dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici. Non, comment allons-nous passer? Hors de question que je les attaque. On serait jetés en prison. Au pire, j'ai une botte secrète. Ce prisme concentre la lumière. Il peut brûler les herbes hautes. Ça fait de la fumée et ça attire l'attention des gardes. Waouh! Alors essayons. Dis-moi où tu veux attirer un garde. Uniquement dans les hautes herbes. L'enfant sait. Oui, c'est ça le plus important. Connais le compte. Faut faire ça dans les règles. Ouais. Ben, la prochaine fois, on demandera à se poster près des ruines. Il y a plus d'ombre, et j'aimerais voir la procession pour changer. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. On va faire un beau feu. Hein? De la fumée? Regardez, c'est quoi, ça marche. Pas de quoi s'inquiéter. Voilà la porte. Dépêchons-nous. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. De la fumée? Ça marche à tous les coups. Je me suis encore trompé. Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. Hein? On a de la visite. Tout le monde aux aguets.
Quelqu'un se cache dans le coin. Cherchez partout. Trouvez-les. Fouillez-les. Regardez, ça marche. On n'est pas seul. Oui. C'est presque trop facile. Regardez, ça marche. Il y a quelqu'un qui rôde. Criez si vous voyez quelque chose. Sophia, ton prisme nous serait utile. Captons un peu de lumière. C'est la rôme, ça. Il n'y a pas de doute. Criez si vous les voyez. Ça devrait me simplifier un peu la vie. Par ici, je dirais. Oh, c'est très haut. Oh, mince. Restez collés au mur. On avance. J'ai la tête qui tourne. Hugo ! Bon sang ! Tout va bien. Voilà. Oh. J'aime pas tes acrobaties, petit. Je veux partir. Oui, on continue. On y est. On a réussi. Tout va bien, Hugo? Je suis désolée, c'était beaucoup trop risqué. Ça va mieux. Merci, Sophia. C'est rien, c'est juste. Ce qui me fait le plus peur. On devrait marcher un peu. En terrain sûr. Des fleurs. Ça doit être pour leur cérémonie. Soldats, la cérémonie va bientôt commencer. Ouvrez l'œil. En armure lourde. Oh, Arnaud les a vraiment énervés. Je crois qu'on n'est pas du tout les bienvenus. De toute façon, il est hors de question de se faire repérer. On serait soit tué, soit chassé de l'île. Ils ont trouvé d'autres hommes d'Arnaud? Je pense pas. Mais le comte a raison de se méfier. C'est quoi cette fumée? Ça marche à tous les coups. Les rats ne sont pas ici, Amicia. C'était sûrement rien.
Avec moi. Monte. C'est quoi ça? Ah oh. Toute cette fumée. C'est presque trop facile. Hé hey, le comte veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris? Rien. C'est bon. C'était quoi? S'inquiéter. Sophia, as-tu entendu parler de l'ordre pendant qu'on visitait l'île? Non, juste de l'enfant, de la mère et du père. Peut-être parce que l'ordre est trop vieux. Peut-être. Qu'est-ce qui bouge là? Faut aller voir de plus près. C'était une fausse alerte. Je verrouille les portes.
passage à bretonner. Bien observé. On va essayer. Tu prends de très grands risques pour des gens que tu connais à peine, Sophia. Rien ne t'y oblige. J'ai une tête envers toi, mais c'est un prétexte. Tout ça est bien trop palpitant. Bien. Faisons juste. Fais attention. Hein ? Hé ! Un intrus ? On y est presque. Rien. Ouh, oui. Comment tu te sens, Hugo ? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Bien, mettons-nous au travail. Tous, l'heure est proche. Rassemblez-vous tous. C'est le comte et la comtesse. On arrive juste au bon moment. On monte. Oui. De l'oiseau ? À toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui, comme ça je la lui rendrai. Descends prudemment. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires ? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va bien trouver.
Amis et enfants, nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix. Le phénix ? De raviver ses braises. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Tel père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Tu en penses quoi? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements? Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'il ne soit jamais oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui. Waouh! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles, un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit la Kuna. L'île devint un havre de vie et de paix, un lieu de guérison, de prospérité. La Kuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône, dans un temple de l'ordre. C'est lui, c'est l'enfant des braises. Prenez place à nos côtés. Regarde, et le dessin? C'est le porteur de la Macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noires cicatrices. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbres débuta. Les hommes l'oublièrent, mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière, notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous, vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous.
ces fresques. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la Macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la Macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de lumière. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. L'enfant a... Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal a triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. Vous êtes de retour de votre père. Et j'ai peur. Vous n'êtes plus seul. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde, car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix, l'enfant du feu, ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ces flammes. Oh. Oh. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui, je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre, tout est vrai. Hé, c'est moi. Sophia. Venez, j'ai trouvé un passage là-bas. C'est maintenant ou jamais. Que la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Puisse le souffle de vie ranimer sa flamme. Ils vont voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil.
vraiment incroyable. Tu l'as dit ? D'enfants. Ils vivaient là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfant des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula. Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici afin de l'étudier et de trouver une solution. Et Hera... Ne me dis rien. Mort, guerre... Maladie et famine. Pas seulement. Les rats sont... Peu importe, ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfant des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende, fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça change rien. Cette eau est pas magique. Pourquoi l'eau... Oh, l'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé, hey, viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius. C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs, là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. C'est quoi tout ça? Est-ce qu'on est les premiers à venir ici? Cabane. C'est vrai. Elle a l'air intacte. Trop sacrée pour eux, probablement. Et tu sais à qui est cette chambre? C'est la sienne. C'est la chambre de Basilius. Tu imagines? Il vivait ici, jouait ici. Il s'asseyait là où tu es assis. C'est incroyable, non? Oui. Et il aimait construire des cabanes, comme toi. Tu aimes les cabanes? Moi aussi. Il avait un phénix. Oui. Il faisait peut-être les mêmes rêves que toi. Voyons ce qu'il nous a laissé d'autre. Regarde. Quel joli cheval. Il est à ta taille. À mon avis, il avait ton âge. Oui. Alors ça, c'était son lit. Il est si beau. Ce Basilius était traité comme un roi. Peut-être que c'était un roi. Le roi Basilius. Regarde ça. Ce sont des gens. Des gens importants, peut-être? Des prophètes. Il y avait des prophètes dans l'ordre. Ce sont des méchants. Je crois qu'il lançait cette balle sur eux.
Ça fait sens, les garçons. Moi aussi, j'aime ce jeu. Viens, on n'a pas tout vu. Chambre d'un guerrier. Pas n'importe quel guerrier. Regarde la forme de l'armure. Des jouets. Il venait ici pour jouer avec elle. Et elle s'est prêtée au jeu. C'était la meilleure des chevaleresses. J'aurais tellement voulu les rencontrer. Des épées, des lances. Waouh ! Regardez cette hache aussi. Je me demande si elles étaient utilisées. Cet endroit a été construit pour éviter ça. Le porteur attire l'attention. Précieuse petite créature. Regarde, des tablettes de cire. Elles sont gravées. Il l'a dessinée. Et là, il s'est dessiné avec elle. Il l'aimait vraiment beaucoup. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, on dirait. Tout comme nous. C'est vraiment étrange. Ça l'est. Continuons. C'est incroyable. C'est comme si je les connaissais. Comme si Basilius aurait pu être mon ami. Je vois ce que tu veux dire. Oh, regarde. Hé, encore cet oiseau. Cette forme... C'est le symbole de l'ordre. Le phénix. C'est l'ordre. C'est... juste ça. Ah, désolé. Mais... non. Ça explique pourquoi ils se dressent au-dessus de l'enfant sur leur fresque. Ils pensaient qu'ils étaient mieux que lui. Ils sont fichés de lui. Ça ne change rien pour nous. Viens, faisons ce qu'on doit faire, d'accord? C'est quoi tout ça? Un laboratoire d'alchimiste. On peut partir maintenant? Mais ça ressemble exactement à ce que tu cherches, non? Oui, mais... Non, non, tu as raison. Chercher tout ce qui pourrait nous mener à un élixir, une potion, des livres, des dessins, peut-être des produits bruts. On s'y met. Tout ça est inutile. Pitié, donnez-moi quelque chose. Un Athanor. Oh, non. Son contenu a disparu depuis bien longtemps. Oh, cet endroit est hallucinant. Hé, hey, ça va pas? Il lui faisait du mal, à lui aussi. Hé, hey, je sais que les choses se passent pas comme tu l'espérais, mais... Rien ne change jamais, Amicia. Mais Aelia était là pour le protéger, pas vrai? Tu as laissé Vaudin. Non! J'ai voulu l'arrêter. Mais... je sais que tu as essayé. Pardon. Hé, hey, venez voir, vous deux. Sophia, où es-tu? En haut. Comment t'es arrivée là? Regardez derrière les rideaux. Viens, Hugo. C'est quoi ça? Il n'y a pas de porte. Une sorte de... salle d'observation.
trouvé ? La bibliothèque de tes alchimistes. On dirait qu'ils observaient l'enfant d'ici. Comme s'il était en cage. On est au-dessus de la table du laboratoire. C'est mal. Imagine ces salopards réunis ici, en train de l'observer. Concentrons-nous sur ce qu'ils ont découvert. J'ai peut-être une piste. Ils parlent d'un remède ? Non, mais ils ont pris d'autres notes. Qu'est-ce que c'est ? Tes alchimistes. Ils ont noté tout ce qui arrivait au porteur. C'est classé par date. La dernière inscription remonte à l'an 541. 541 ? Qu'est-ce que ça dit ? J'ai pas travaillé mon latin depuis le couvent, mais ça parle de Basilius et d'une Aelia Dragas, sa protectrice. Alors c'est vraiment arrivé. Ils étaient comme nous. Il leur est arrivé quoi ? L'ordre a séparé Aelia du porteur. Elle s'est rebellée. Et ils l'ont arrêtée près de... près d'une tour ronde. Et ils l'ont emmenée dans une... capella, une chapelle, dans un fort. Et Basilius, il est où ? Aucune idée. Bon, on a déjà quelques pistes. Un fort, une tour ronde. Ils arrivent. Heureusement qu'ils ont pris leur temps. Oui, on doit filer d'ici, vite. Puisse cette eau putride sceller notre volonté. De rester à tes côtés, nuit et jour. Je ressens ton mal. Je partage ta douleur. Nous te protégerons. Nous t'aimerons. Je suis le père. J'attends ta venue. Je suis la mère. J'attends ta venue. Rejoins-nous. Quand tu seras prêt, nous le sommes. Mon rêve. Au début, ça faisait peur. Mais après, tu aurais vu toutes ces fleurs. Continue d'en parler, s'il te plaît. L'arbre sentait si bon. Avec des branches comme des cheveux. Il avait l'air doux. Continue. Et l'eau. On aurait dit qu'elle pouvait tout guérir. Pas comme celle-là. C'est bien, Hugo. Oh que oui. Yeah. Passe une semaine en mer avec mon équipage. Ça donne un nouveau sens au mot puanteur. Ça m'a bien suffi.
Allons voir ce fort. Hugo ? Il n'y avait pas de fort dans mon rêve. Peut-être, mais ton rêve nous a mis sur la bonne voie. On a appris plein de choses. Et on va bientôt découvrir le reste. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à cette Aelia ? Et à ton ancêtre ? Tout va bien se passer. On peut enlever ces habits qui sentent pas bon maintenant. Oui, bonne idée. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi, Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord ? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête ? Thank you.